Desafi important pil. Se yon liv ki important pou tout Karaib la, an patikulye pou Antilyo, pou la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane. It's a book that is important for the whole of the Caribbean, including now Martinique, Guadeloupe and Guyane. Et il te montre ça parce que c'est eux-mêmes qui te baille livre la plus belle accueil en 1975. They showed how important it was to me because they gave the book the biggest welcome back when it was published in 1975. Mais c'est livre tout qui t'a commencé à jouer maringouin, à chanter la tête régime du Valier, parce que c'est le premier roman créole qui paraît et on connaît même quand le peuple n'a pas qu'on lit, mais intellectuellement parle ces vagues créoles là pour ting ting gouvernement. It was the book that first threw a challenge to the Duvalier regime on the part of the intellectuals. It's why written in Creole, they know that the people cannot read, but they do understand Creole, and the language might be a weapon in the fight against the regime. C'est vrai que c'est trois années après des affiches que je vais écrire pièce théâtre, parce que je ne peux pas entrer dans le théâtre. Théâtre là, c'est lui-même qui puis indiquer le pays côté un pile monde pas qu'on lit. It was 3 years after I published Desafi that I first got interested in writing theater, and especially because theater is the best genre for a country where you have a lot of illiterate people. Donc on va entrer dans le théâtre avec une première pièce sur les Truffauts-Bancs, qui une pièce mythologique qui montrait côté nègre à chercher pouvoir, car il diable dans Truffauts-Bancs et tout monsieur que l'on pouvoir passer par là. Donc son métaphore liée, mais qui voulait dire que il n'y a pas, il est rare, et peut-être que c'est pas seulement pour Haïti, il est rare que le pouvoir politique ne soit pas lié au pouvoir satanique, au pouvoir diabolique. My first play was a play called Truffauts-Bancs. It was a play in which I used myth, and it showed how the people seeking political power made a deal with the devil. So this applies not only in Haiti, but everywhere where people seek political power, because political power quite often is used to satanic power, is linked to satanic power. Donc, après Truffauts-Bancs, le gouvernement a commencé à fixer, comme je dis en bon créole, il a fisqué moi, il a lié moi, il a suivi moi pas à pas, et je ne vais pas le gâter, parce que j'étais toujours pas un bon monde fou, car depuis le premier roman, Miracle vient me décrire, François Duvalier, sous François, oui. C'est pas sous Jean-Claude qui était considéré comme un bec et un abodjo. Sous François Duvalier, ethnologue, homme politique, sociologue, docteur en médecine, qui était comme ça, t'a fait. Eh bien, les livres apparaissent sous François Duvalier, mieux à prouver, que au publié, d'ailleurs, il publié en anglais. Par contre, si je me prononce bien, ready to burst. C'est ça, je l'ai dit. Yes. Non. Eh bien, en créole, c'est après pour crever. Donc déjà, titre livre-là, t'es subversif. Titre livre-là, t'es provoquant pour mon qui pas ta connaît ce véritable mot subversif-là. C'est-à-dire qu'il dérangeant, qui baille tracas, qui emmène des mondes. Mais Duvalier m'était suivre moi. François Duvalier. After my first play Truffauts-Bancs, the government started seeing me as a suspect in following me, and I was a target. But that started even before
on the Papadoc when I first published my novel Mur à crever. So I was thought of as a madman. I was thought of as a madman, but also a dangerous madman, because the title itself was very suggestive that the regime was ready to burst. And in any case, you know, I came in the line of fire with the Stewarts. Alors, c'est tout de suite après que m'vin qu'on y a vraiment paraît dangereux pour le gouvernement. C'est avec une pièce théâtre qui jouait ici, hein, dans une salle qui était Whitman Theatre. Il était joué ici, hein, en 1979. Ça fait combien? 40 ans? C'est ça? Ça fait 40 ans. Pièce là, c'est joué ici, hein? 2200 places, ça c'est trop ici. T'es même 400 monde alliés à tête devant, interstice, bon chaise, bon tout le monde, chaise à deux. Eh bien, c'était au coquin événement qui t'est passé en 1979 ici, hein? Les désafis, les pelles tête, qui signifie on piège, pelles c'est piège, pelles tête. On piège qui prend en tête. Donc c'est quand on l'assaut que dictature aille, c'est la vie à tout. C'est dictature, c'est gouvernement. Et c'est tout malheur qui arrive dans la vie au monde qui on perd la tête. Et nous tous être haïtiens, nous tous qui là, pas de nous qui a dit que si nous n'avons pas de problème manger, si nous n'avons pas de problème boire un whisky, si nous n'avons pas de problème dormir sur un bon carbone Siemens, mais au moins nous avons un problème affectif, nous avons un problème à madame, nous avons un problème à petite, nous avons un problème à gouvernement, et à la limite parfois, nous avons un problème même à tête. Donc tout ça, c'est pas la tête. I became really dangerous after my play, my second play, Pelletet, which by the way I translated into English as the Moose. Was played in Haiti, but also right here at Brooklyn College, at Whitman Theater in 1979. We had a huge crowd of up to 2,000 people. People were everywhere, and so on. But the reason the play was so dangerous is because of the power of a central image, the noose. It was a trap, a head trap, literally a head trap, waiting for the government. And this is what's considered dangerous. And this is why it resonated also with the public. Donc, les désafis paraît, moi dit, événement pour pays d'Haïti, événement pour Antigny, au côté où parler en créole et puis dépitant, alors que t'es un gros écrivain, tout le monde connaît, mais Césaire, tout le monde connaît, qu'on entendait, Edouard Glissant. Tout le monde condamné Chamoiseau, tout le monde condamné Raphaël Confiant. Eh bien, pour que j'aime gagner un roman écrit en créole. Et l'autre, la Guyane, t'es gagné un nègre, Alfred Paripou, qui t'a consacré de récit que t'es qu'à considéré, conditionnel, que t'es qu'à considéré comme un roman. Mais excusez-moi que m'abdil. Après plusieurs critiques qui disent ça, véritable roman moderne, parce que Desafi, ça qui est drôle là-dedans, ça qui est exceptionnel dans Desafi, je dois dire, puisque c'est vrai qu'on quittera à sa pomme pendant 6 mois, même si je me suis levé sous bel air, parce que je me levé dans un quartier pauvre, je me levé dans un quartier qu'on y a eu le quartier de nos droits, je me levé dans un quartier, excusez-moi de dire ça, c'est pour nous bien connaître le livre là qui s'est écrit et les gens qui parlent avec nous qui m'ont lié. Il y a plus de monde qui connaît la salle là, même petite moi là. Il y a deux petites la salle là. Il y a un qui fait travail consulat, le consulat américain et haïtien. Il y a un qui fait travail interprétariat et traduction. Donc même pour eux, on ne pas comprendre que qu'on aime plus bien que nous. Ça m'a dit, c'est pour nous raconter qui mon mouye et qui ça livre là et pour qui ça l'a écrit. Moi, je crois que malgré que je me suis levé
Nous sommes dans la province. Exposition, il faut expliquer du ça pour eux, pour certains monde qui parlent créolophone ou francophone. Exposition, livre-moi, j'aime parler, j'aime même pas ou dire ça que j'aime, c'est un bagage que je relève spirale. Desafi was a big event, like I said before, for Haiti and the Caribbean. The Caribbean had Aimé Césaire, Glissant, Chamoiseau, Confiant, all those great writers, yet none of them had ever written a big book in Creole. There was one narrative fiction by Alfred Paripou of Guyane, but it wasn't really a novel. The first work in Creole that was labeled a modern novel was really Desafi. It took me 6 months of hard work under certain conditions that were really, really hard in the poor neighborhood where I was living. And by and large, what is in the book is an expression of my philosophical conception of what I call the spiral, the spiral in Creole. Donc c'est ça que fait Jean-Marc Palier, c'est comme ça m'écrit tout. Alors me dit que malgré mon fait dans la province, me fait la Thibaudite, me fait dans une section rurale, avec des gens qui sont dans la salle là, petitement, et surtout deux, trois amis, et même amis étrangers en particulier, Malroney, président, ex-ambassadeur d'Haïti, et des États-Unis en Haïti, comme ça, que moi sorti dans une section rurale pauvre, pareil que en français, les bled, B-L-E-D, côté que c'est ragé gagné, côté mon yo là, il va y avoir de l'eau au bois, côté mon yo, c'est un grand goût, et ravine sèche toujours là, même si tout pour ravine sèche, qu'on y a gagné des gros cailles bourgeois, et des gros villas, mais mon yo toujours la misère, c'est l'âme sortie, la créole, la matrice créole là, et Port-au-Prince mal vivre sous belle. Madal vive. À l'époque, hein, nous ne connaissons pas, puisque pile monde là, pour ne pas dire presque tout le monde là, plus jeune que moi, a fait de Boisvena, de Tujo, de Paco, de monter sur route en Rokenskov, l'opre zone Thomasin, et pas de côté, où tu vois mon noir. Je suis venu là pour me réveiller un démon qui a malheur en vie, nous. Séparation, mon noir, mon clair. Séparation, mon pauvre, mon riche. Séparation, mon tête reine, mon tête soi. Mais m'obliger à dire cette vérité, et ce qui était surtout vérité à l'époque, moi. Même si on a changé, il y a là un bachal. The way I speak is the way I write. There are certain things I must say. I'm from a poor, extremely poor rural background from the province. I come from a small village called Ravinsèche, by the way, that is one of the sites of the setting of the novel. I come from a small village called Ravinsèche, where people were hungry and worked hard and so on, a community of peasants. And then I moved to Port-au-Prince in the Bel Air neighborhood, which was really a really poor neighborhood. This is the matrix of the Creole language, those two places. And going back to my time, that was a time where the divides in Haitian society based on color and race and class were really profound. I don't want to awake the old demons, but we must say that those things are real and they're still under the cover in Haitian society. Je ne vais pas faire démagogie parce que la vie, moi, j'ai une ambition, mon fou, pour ne ni sénateur, ni député, ni président. Donc, je m'a parlé à tant prix, accorder mon crédit ça. Faire confiance que son monde qui a parlé avec Curly, d'être plus que son monde qui est content que là. Je suis content que je parle avec Timon, 8 ans, 10 ans, 15 ans, parce que la Port-au-Prince, chaque samedi, il y a une conférence
dans le lycée, gratis. Bah, conférence dans le lycée, lycée Pétion, lycée Fimet, lycée Pétionville, moi, tout côté, même mal à l'école privée, tout. Mais je n'ai pas payé pour ça, ça m'a aimé faire. Mais quand après-midi, je suis content. Je suis content 17 fois et demi. I'm not trying to be a demagogue. I have no political ambition. But I love to talk to people and tell them about realities. Even today, I like to talk to young people. Every Saturday, I give a free lecture in various public schools in Port-au-Prince. Including and also in some private schools. And in provinces. And in the provinces as well. Eh bien, moi dis-nous que je suis content de parler avec nous, parce que dans l'état pays, dans l'état que le monde y a, parce que notez que moi dis-nous, moi parle, moi écrit, moi ba audience en spirale. C'est-à-dire, je suis capable de vivre comme ça. Lila, pourquoi pas oublier ça et pourquoi me tourner là-dedans. Faites attention, j'ai 43 ans, je suis un vieux grand monde gaga. Sous plan, ça peut être pour une bénédiction, mon Dieu. Et moi, je connais très bien ça, m'a dit. Vous mettez-vous aller dans la fenêtre droite là. Et bien, je prends la fenêtre gauche et puis je sonne, ça me dit, la fenêtre droite et puis je retourne, je m'arrête au bout de nous ensemble. I'm very happy to speak, to be speaking to you, and don't mind my style in this pile. If I return to a theme and mention things I said before, this is just my style. Eh bien, puisque nous l'avons une période où la vie totale se révèle extrêmement complexe, extrêmement imprévisible, extrêmement difficile. Haïti, c'est vrai, les mêmes, la nager dans un marécage qui va faire nous plaisir. Mais tout pays sous la terre pour dire qu'il y a un problème. We're living in a period of chaos everywhere in the world, and Haiti's situation is particularly bad, but it's the entire world that is living in dire circumstances at the moment. Donc, si je suis capable de faire moi deux timons entre là, bien content, moi, mais pas la timon tout. Si l'un saute là, dans une heure de temps, nous sentis, nous sautions avec un petit dit plus, ça fait ma pile plaisir. If when you leave here, you feel that you've been, that you've grown some, that will please me a lot. Parce que je n'ai pas fini de temps à faire théorie sur le livre. Mon livre, c'est le livre. Yes. C'est pas ça que je raconte sur le livre là qui est important. C'est ça que je vais acheter dans le livre là. I will be talking about this affair, but I want to theorize about this affair. I don't like to talk to theorize about books. The book is what you make of it, what you take out of it. Donc je ne vais pas prêter en pile sur affaire des affaires. Mais je dis non. Que depuis 2005, bien sûr, depuis 1990-92, à l'occasion de ce qu'on a appelé la rencontre des deux mondes, c'était 500 ans découverte de l'Amérique. 500 ans découverte de l'Amérique. Et puis, au Térélil, la rencontre des deux mondes, depuis 1991-92, les Aristide qui était président de l'Haïti, et nous devons nous mettre compte après, mais je pas le droit, j'ai oublié ça. Aristide fait tout ça, il était capable pour prendre candidature, ouais, voyer candidature en Suède. Auprès du jury Nobel à Stockholm, propre haïtien pareil Aristide et propre haïtien pareil, moi, qui était beaucoup d'Aristide qui pouvait faire travail là, parce que ce n'est pas au président qui parle chita ramasser documents pour présenter candidature aux compatriotes, c'est bon de bon côté. Eh bien, défunt Georges Anglade racontait, elle a eu courage pour te mettre dans le livre. Presque tout est quitté là-haut,
c'est dit, ah, président, François Christian son mégalomane qui croit dans la tête, il sait, mais là, il a laissé vivre la table seulement, ouais. On s'est quitté, monsieur, ce côté. Well, back in 1992, President Aristide did all he could to have my name submitted for a nomination for the Nobel Prize. But there were other Haitian intellectuals around him who told him that Franck Etienne is a madman, a megalomaniac, and we shouldn't pursue such a course for him. C'est pour me permettre de comprendre l'absurde, pour nous comprendre nos petits mots sur Haïti, parce que Haïti n'a pas qu'à découvrir. I say all this so that you can understand a little bit about Haiti, because Haiti is very complex and you may not discover all of it. Haïti, c'est un mot, ça est en anglais, énigme. Haïti, c'est un énigme. Haïti is an enigma. Haïti, c'est un mystère. Haïti, l'envers d'André. Haïti, l'envers de droite, devant, derrière, droite et gauche. I have difficulty presenting this one. It's a country inside out, upside down. Bon, en tout cas, ça ne comprend, puis c'est ça ici, nous, il est dans ça, non? Ça ne comprend, apprendre. Since we have Haitian blood, we'll get the meaning of it. Eh bien, désafi, c'est déjà élément, instrument important à cause que ce premier roman dans langue, c'est un événement linguistique, c'est un événement linguistique, c'est un événement social, c'est un événement historique, c'est un événement planétaire. Ça, pour compte, il te suffit pour être comme n'importe qui dans le monde entier. Désafi is a linguistic event, a historic event, a social event, a world event. Because, you know, it is the first novel written in the Creole language. Eh bien, les désafis pour arriver, bon, on y a, je recevoir en anglais, c'est déjà un bel avantage, mais je te recevoir en français et en créole, or on connaît qu'en Suède, c'est suédois avec langue anglaise qui coque chanté. Ça veut dire c'est deux langues sérieuses qui puissent parler en suédois, en Suède. Eh bien, moi obligé à prendre nous ça. Puis c'est ça, entre haïtiens, nous là, et même si il y a blanc là. Depuis le tranché en train de porter ça là, je suis là, dit tout le haïtien. Donc, à comprendre, attendez ça, m'a dit. Vous comptez qui premier côté pour présenter candidature en 2005? Parce que je dis là tout à l'heure, il a répété plusieurs fois que c'est en 2009 pour candidat au Nobel. Candidature acceptée au Nobel de littérature depuis 2005, candidature présentée par le Japon. It was Japan that submitted my candidacy for the Nobel Prize in 2005. Et jusqu'où il y a la map avec nous, hein? University Utotsubashi au Japon, New York University, Université italienne, Université anglaise, pour gagner l'université Liverpool, l'université, je ne peux pas compter parce qu'on y a arrivé même une douzaine. Ils ont tous continué à renouveler candidature chaque année, sauf Haïti. Il y a des universités en Angleterre, dans les États-Unis, en Japon, où chaque année, ils submettent leur candidature pour le Nobel Prize, except Haïti. Except Haïti. Eh bien, c'est pour me faire nous connaître que si pour nous changer, parce que je connais ça, c'est un souci, c'est un rêve, son projet, son obsession, à la limite même son cauchemar dans toute tête haïtien qui vit dans la diaspora, surtout aux États-Unis qui proche nous, ni ça qui vit dans les Antilles, ni ça qui vit en Europe. Qui ça pour nous faire pour changer le pays ça? Eh
Amen. So what should Haitians do? All those Haitians living abroad in the diaspora, in Europe, in North America, everywhere, what can they do, what should they do to change Haiti? N'a toujours continué de travailler. N'a toujours continué réunir. N'a toujours continué analyser. N'a toujours continué prendre nouvelles, ça qu'a passé la caille. N'a toujours continué lire les chercheurs qui ont fait travail sur Haïti. Mais il y a courage pour dire ça, même si nous sommes capables de fâcher. Le jour où nous arrivons à changer, énigme ça, pour nous dresser, faire suspendre l'envers vers l'endroit, faire suspendre droite et gauche, faire suspendre tête en bas, faire suspendre devant derrière, la brune secret la vie. We must continue to work hard, we must continue to organize, we must continue to struggle. And so the day we succeed in changing that upside down, inside out country, we will have found the secret of life. Donc, c'est une belle occasion pour moi, pour me rappeler nous, que c'est pour une raison. Surtout, semaine ça, qui coïncidait avec plusieurs bagailles. D'abord avec la décadence de l'Occident. Parce que l'Occident, moi-même, pas un monde qui a des préjugés. J'ai un préjugé contre blanc, contre nègre, contre jaune. Je suis, mon façon de parler, je ne suis pas couleur moi-même. Je suis un être humain. Je ne suis pas préjugé. Mais nous devons en pile à l'Occident, tant sur le point du bien, sur le plan du bien, que sur le plan des mauvaises choses. I have no prejudice whatsoever, but today we must all be thinking about the decline of the West. We owe so much to the West, both the good and the bad.